Julie Depardieu bientôt mariée à Philippe, faudrait commencer à y penser. Julie Depardieu a été en couple avec le violoniste Laurent Corsia de 2001 à 2008. Puis en 2010, sur le tournage du film Je suis un No Man's Land, elle a craqué pour le chanteur et comédien Philippe Catherine. Depuis, le couple a eu deux enfants, Billy, né le 16 juin 2011 et Alfred, né en août 2012. Et pour s'occuper d'eux, ils peuvent compter sur le père de la comédienne, Gérard Depardieu. Gérard est un très bon grand-père. Il est chez nous tous les week-ends, il cuisine. Il fait d'ailleurs le meilleur gigot du monde, a-t-elle confié à Téléstar ce 21 novembre. Quand j'étais petite, il travaillait beaucoup mais, avec ses petits-enfants. Il a plus de temps et manifeste un réel intérêt pour eux. Il les regarde, les écoute. Leur apprend aussi plein de conneries. Il est marrant et provocateur. Billy m'a dit, Pépé. Il a 8 ans d'âge mental. Ce que je constate, c'est qu'il est heureux de les voir et qu'il est à fond. Ajoutez celle qui était très complexée par son nez, au point de le faire refaire 5 fois. L'actrice s'est également exprimée dans les pages de TV Grande Chaîne sur sa vie privée. Elle a alors évoqué son compagnon, duquel elle est toujours aussi amoureuse. Il est très mignon et on est encore comme au premier jour. Moi qui étais persuadée que je vivrais ma vie seule, c'est lorsqu'on n'y croit plus que ça arrive. A-t-elle confié? La question du mariage a aussi été évoquée, car malgré leurs 12 années de relation, le couple ne s'est toujours pas dit oui. Âgé de 49 ans pour elle et de 53 ans pour lui, les amoureux ne sont pas contre le fait de se passer la bague au doigt. D'ailleurs, cela pourrait bientôt arriver, comme elle l'a expliqué, avec Philippe. On s'est dit qu'on se marierait vieux. Faudrait commencer à y penser. En tout cas, je suis très contente de ne pas m'être mariée avant. Je n'ai appartenu à personne. Mais à partir du moment où on a des enfants et que l'on a franchi les 12 ans, on commence à y croire. Un mariage qui serait haut en couleur étant donné la personnalité fantasque des deux artistes. Toujours à propos de son compagnon, Julie Depardieu reconnaît que question fringue, il n'y en a pas deux comme lui.